Arthur Dauphin est né le 20 décembre 1852, ici même, dans la rue des Sarrasins, numéro 89, à Lille. Il était le fils aîné de Pierre Dauphin, qui était horloger depuis 1828. Et on pensa naturellement qu'il reprendrait l'entreprise de son père, après la mort de celui-ci. Mais il décida de se tourner vers la science et laissera l'horlogerie à son frère cadet, Alphonse. On voit cependant que Dauphin ne rompt pas avec son origine et qu'il cherchera constamment à trouver de nouvelles façons pour mesurer le temps. Sophie en Jean-Luc Lebrun stuiten bij het onderzoek voor hun boek De ontmaskering van de tijd bij toeval op de naam van Arthur Dauphin. Geïntrigeerd door de verwijzingen die er waren naar Georges Méliès, volgden ze het spoor en deden uiteindelijk in het departementaal archief in Lille een spectaculaire vondst waardoor de geschiedenis van de beginjaren van de cinema moest worden herschreven. In het archief vonden ze een stapel filmblikken met onbekend filmmateriaal en naast Dauphin's dagboek onder andere de oprichtingsakte van Les Enthousiastes Cinématographiques Lillois. Misschien wel de eerste filmmaatschappij ter wereld, opgericht door Arthur Dauphin. Zo snel het mogelijk is, koopt Arthur Dauphin een camera bij Georges Méliès, die eregast is bij de oprichtingsvergadering en als dank voor zijn komst naar Lille een ham krijgt aangeboden. In de uitnodiging aan Méliès schreef Dauphin: "Ik ben enkel als wetenschapper geïnteresseerd in dit nieuwe medium en ik zal u uitleggen waarom. Het is mijn ervaring dat de opdeling van tijd in secondes niet afdoende is. Als ik in een wetenschappelijk experiment een voorwerp 1 meter laat vallen, raakt het binnen 1 seconde de grond. Het heeft zich dus voortbewogen tussen 2 tikken van de klok door en is derhalve onmeetbaar. Wetenschappelijk gezien is dit onaanvaardbaar. En wat ik denk te kunnen bewijzen, is dat de tijd is opgebouwd uit minuscule delen van tijdloosheid, waarin het voorwerp af en toe verdwijnt. Overtuigd dat hij met behulp van de camera de tijdloosheid zichtbaar kan maken, filmt Dauphin een groot aantal vallende voorwerpen. Qu'avec l'invention du cinéma, la durée et le mouvement qui auparavant ne pouvaient être montrés que d'une manière stylée dans la peinture, dans la photographie, soudainement devient un élément de la composition. L'imaginaire humain, l'imaginaire libéré d'un carcan qu'on ne soupçonnait même pas, tu comprends? On s'est donc mis à associer énormément avec ce concept, le concept du temps. Oui, le cinéma a engendré un élargissement de la perspective. Il s'y ajoute littéralement une nouvelle dimension. Et ce qu'on voit chez Arthur Dauphin... Non, tu ne peux pas le dire comme ça. Ouais. Non. Mais... ce qu'on voit chez Arthur Dauphin est un changement caractéristique dans sa pensée. Après avoir été confronté à un nouvel instrument sur lequel il voulait étayer son ancienne théorie, lui viennent des idées grâce à ce nouvel instrument que son ancienne théorie n'aurait jamais pu faire naître. Dauphin doet die eerste grote ontdekking als hij in de zomer van 1896 een stilleven filmt. Opgewonden schrijft hij aan Méliès: "Mijn plan was een eenvoudige studie te maken van een aantal uurwerken, maar pas tijdens de projectie zag ik wat ik werkelijk had gedaan. Hier zat ik op 5 juni 1896 te kijken naar de exact gedocumenteerde tijd van de dag ervoor. Ik keek dus letterlijk naar het verleden. Ik heb met andere woorden een deel van de tijd voorgoed vastgelegd."
Dauphin neemt een radicaal besluit en maakt in de maanden die volgen een groot aantal korte films waarin historische figuren uit verschillende tijden elkaar ontmoeten. Dauphin zelf speelt in al zijn films de hoofdrol. Il faut bien comprendre que, contrairement à Muybridge et Marais, ce qui importe pour Dauphin, ce n'est pas l'anatomie du mouvement, mais celle du temps. L'anatomie du temps. Bien sûr, la duperie de l'histoire, c'est qu'elle nous donne toujours une impression de logique après coup. Et que... Comme si le temps était fixé, ce qui est faux. Mais nous ne devons pas oublier que Dauphin... pour l'étape suivante de son travail, n'avait pas de modèle. Et que la logique et l'élégance pure de son œuvre n'est due qu'à la beauté de son génie. Que nous ayons retrouvé les bobines, par exemple, c'est au-dessus du hasard. On fait comme la trouvaille de Dauphin. Je veux dire, une fois qu'on est dedans, vraiment dedans, c'est... Mais c'est... Jean-Luc, c'était tout à fait par hasard. Non, c'est... C'est de l'anticipation, c'est le mot juste, l'anticipation, réagir à l'instant, tchac, tu vois, tchac, hop. Après avoir passé des mois à la restauration, nous les avons vus sur l'écran, on a ressenti quelque chose de... Oh oui. Et c'est alors que nous avons compris les notes de Dauphin, qu'on avait déjà lues avant. Et... on s'est rendu compte que non seulement une œuvre importante venait de prendre sa place dans l'histoire du cinéma, mais que nous venions de découvrir le moment même de la naissance du cinéma moderne, fixé sur celluloïd. Le Big Bang du cinéma. Comme si on assistait à sa propre naissance, ce qui est impossible, bien sûr. C'est fascinant de voir comment... sa théorie de base l'a amené à ce recul de frontières qui est cette dernière prise de vue. Oui, l'anticipation, c'est le mot juste. L'anticipation, le moment du... Bow. Op 25 augustus 1896 maakt Dauphin op een locatie vlak buiten Lille... de korte film Erik de Rode ontdekt Afrika. Voor het eerst wordt de opname van een film vastgelegd door een tweede camera... Thank you.
Dauvin schrijft... Vaak is het zo dat de acteurs bij het zien van de film... een enorme afstand voelen tussen hunzelf en de projectie van hun beelden. Alsof niet zij het zijn, maar geesten uit een andere tijd die een schouwspel opvoeren. Bij Erik de Rode had ik dit gevoel al tijdens de opname. Misschien kwam het door de aanwezigheid van de tweede camera die onze opname filmde. Een merkwaardige sensatie, waardoor ik het gevoel had... op hetzelfde moment in meerdere tijden te leven. Si nous superposons la carte de l'île d'il y a 100 ans à celle d'aujourd'hui, nous pouvons établir avec précision l'endroit où Dauphin, à l'automne de 1880, a réalisé cette prise de vue que nous n'hésiterons pas à qualifier la naissance du cinéma. C'est pas si précis que ça, on sait pas exactement. Non, on peut pratiquement l'établir de façon précise. Sur l'ancien vue de prise, on voit au loin le clocher de l'église qui cache maintenant cet immeuble. Non, c'est un ici. Celui-ci. Op 26 augustus 1896 schrijft Dauphin in zijn dagboek... Toen iedereen weg was, keek ik naar de opnames van de tweede camera... en ik herinnerde me plotseling heel levendig het gevoel van leegte dat ik had kort na de opnames. Alsof ik een deel van mijn persoonlijkheid verloren had. En ik zal niet verzwijgen dat ik een bijna religieuze ontroering voelde... toen ik mezelf naar de camera zag lopen... heel even in mijn eigen ogen keek en in een reflex de groet beantwoordde. Voilà. Personne jusque-là a vu l'idée de dire bonjour à un objet inanimé. Non, personne n'a fait coucou à un parapluie, une bêche ou à un vélo, non? C'est Dauphin qui a été le premier homme à saluer la caméra. Un geste devenu aujourd'hui universel parce que nous en comprenons la signification. Mais de même que nous savons aujourd'hui ce que c'est la perspective, mais qui, placée dans son temps, était tout à fait comparable à l'invention même de la perspective. Mieux encore. Par ce geste, il transgresse pour nous, public, la perspective humaine, les limites de la perspective humaine. Et il crée l'illusion d'une fusion entre le réel et l'imaginaire. Oui, le Dauphin est le premier homme à, disons, avoir salué les générations futures. On pourra peut-être saluer la caméra à la dernière image, non? Ça oui. serait, non, serait pas une bonne... Écoute, ils non, connaissent très non, bien leur boulot. Mais non, pour que le boucle soit bouclé, que l'histoire... Si tu mets la caméra ici... Oh non, écoute, Jean-Luc, merde, regarde ce que tu fais. Non, c'est pas grave. On peut encore réparer ça, arranger ça au montage. Ik realiseerde me met een schok, schrijft Dauphin, dat de groet die ik gisteren bracht over 10 of 100 jaar wederom beantwoord zal kunnen worden. Een deel van mijzelf zou door de tijd kunnen reizen en nooit meer veranderen. Dat deel is tijdloos geworden. Het kleinste deel waarop zelfs de dood geen grip zal hebben. Drie dagen later, op 29 augustus 1896, om 5 uur 's middags, sterft Arthur Dauphin.